Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on se retrouve vite fait. Donc aujourd'hui j'ai prévu avec un pote, on va faire exactement les deux mêmes cadres que ça, on va en faire deux. Donc du 60 par 160, donc il fait peut-être 170. Parce que les affiches, quand on achète des affiches comme ça, pantalon, souvent c'est marqué 60 cm par 1m60, mais des fois ça fait 58 cm, ou alors des fois 62, 63. Donc moi je vous conseille, si vous voulez encadrer ce genre d'affiche, faites un cadre de 65 cm, 66, sur 1m70 de haut, intérieur, hein, côte intérieure, hein, de là à en bas. Hein. Pareil sur le côté, de là à l'autre côté, ici, là voilà, côte intérieure. Sinon, si vous le faites pile poil à la côte de l'affiche, des fois il y a des affiches qui vont rentrer parce qu'elles vont être plus courtes que d'autres, mais il y en a d'autres qui vont être à 62 cm, 63. Et vous ne pourrez pas mettre votre affiche, ce qui serait dommage. Donc, on se retrouvera peut-être ce soir. Je ferai plusieurs photos, je prendrai plusieurs photos de la construction du cadre, étape par étape. Et comme ça, vous verrez pour ceux que ça intéresse, parce que plusieurs personnes m'ont demandé comment j'avais fait pour faire le cadre. Et ben, vous verrez à peu près exactement la même chose. Donc, ils ne seront pas finis parce qu'on n'a pas tout le... On n'a pas le plexi, on a les fonds, mais ils sont dans un atelier spécial. Et on va faire simplement les entourages, le cadre. Donc vous allez voir étape par étape ce que ça va donner. Et puis en espérant que ça vous satisfasse pour pouvoir faire un cadre pour afficher des affiches pantalons. Voilà, sur ce, nous on se retrouve sûrement ce soir ou alors demain, je ne sais pas encore. Et voilà, regardez des films!